Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est pas encore le tuto, désolé, je l'ai pas encore fait. Je vais essayer de le faire cet après-midi. Là, on est le matin, il est 11h. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire ce que je suis en train de faire. Donc, les deux boîtes, enfin, une boîte est terminée. Celle avec les Mickey, donc là elle est sous presse pour finir qu'elle sèche et qu'elle finisse de bien coller partout. Voilà, et la Gorgus, elle continue à m'énerver. Donc je sais pas ce qu'elle a. Je suis maudite avec la boîte Gorgus, donc j'ai remis sous presse et ben, on verra bien. Sinon, ben, je vais l'abandonner et ça sera du tissu perdu. Mais bon, je sais pas ce qu'elle a cette boîte. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'arrive. Et là, donc ce matin, j'ai un petit peu bricolé donc pour le marché de Noël. Hier soir, j'ai fait aussi un peu de rangement. Enfin, pas du rangement. J'ai commencé à faire mon inventaire des bijoux que je vais mettre au marché de Noël, que j'ai fait moi-même, pour savoir ce que je devais encore fabriquer ou pas. Et ben, je m'aperçois que je vais devoir en fabriquer quand même pas mal, parce que ben, il m'en reste pas beaucoup. Donc ça prouve que l'année dernière, ben, j'en avais quand même vendu. Et ben, donc tant mieux, là je vais en refaire. Donc il va falloir que je refais des bracelets. Là il me reste quelques bracelets comme ça, vous voyez. Donc, je ne sais plus comment on les appelle, ces bracelets-là. Vous voyez les bracelets que l'on met, qui ne se ferment pas, mais que l'on met juste. Moi j'ai des gros poignets là. Hop, voilà, que l'on met comme ça. C'est un nom, mais bon, je sais plus le nom, enfin que je regarde. Donc là il m'en reste 1 2 3 4 5. Là c'est une série de Violetta, donc bon, je vais les mettre au marché de Noël, on verra bien. Il y a peut-être des petites filles qui aiment encore Violetta, je sais pas si c'est encore à la mode ça. Donc je vais mettre les Violetta. Par contre les vintage, il m'en reste plus beaucoup, donc ça il va falloir que j'en refais. Et là il m'en restait plus que deux, donc il va falloir que j'en refais. Ça je les aimais bien, parce que bon, moi ben, j'aime bien ce qui est vintage. Donc c'est avec des cabochons hein, donc ça ça va vite à faire. Celui-là j'aime bien. Bon là celui-là c'est avec une Gorgus et celui-là il se ferme. Voilà, une petite Gorgus. Donc cela c'est ce que j'avais déjà fait. Ça c'est un qui me restait de ce que j'avais fait avec du fil mémoire. Hop. Voilà, j'aimais bien cela. En plus il sonne pour Noël, c'est bien. Et là bon, il reste pas mal de bagues aussi, enfin pas mal, non il m'en reste plus beaucoup. Donc j'ai refait mon petit inventaire, mais il m'en reste pas beaucoup. Voyez. Oups, ce qui est tombé c'est une barrette. Donc, je vais voir peut-être pour vous faire des bagues. Ah, il y a Chouchou qui se dispute avec les toutous. Ah, il y a encore une Violetta là. Là ce que j'ai fait par contre depuis hier, c'est des porte-clés. Donc là j'allais en terminer avec des Gorgus. Voilà. Donc un comme ça. Cela. Donc là c'est avec des fermoirs différents. Voilà, donc un marron, un dans les tons verts. Un dans les tons roses.
Donc ça c'est les gorgus. Et un dans les tons bleus. Voilà. Là j'ai commencé à en faire aussi sur le thème de Noël. Là, un petit papa Noël, un petit bonhomme de neige et des petites boules. Voilà. Donc ça là il n'y en a qu'un pour l'instant. Et dans les porte-clés, il y avait aussi ceux que je vous avais déjà montré la dernière fois. Donc ceux avec les nounours et les grands rubans. Donc il y avait le bleu. Je les remontre pour celles qui n'avaient pas vu. Le rose. Et le marron. Voilà. Donc ça avec les nounours, je vais en faire d'autres. Et aussi, j'ai des nounours, des lapins. Des nounours et des lapins. Voilà. Donc ça, je vais en faire d'autres. C'est prévu aussi. Voilà. Et donc il y aura en plus donc, les petites attaches pour ces porte-clés là. Et donc après, en boucle d'oreille, vous voyez, il ne me reste pas grand chose. Donc là, il faut que je refais. Oups, c'est un petit collier ça. Petit collier que j'avais fait l'année dernière. Tout simple. Donc voilà, il faut que je me remets au boulot. Là, avant des colliers, il me reste aussi des ratons que j'avais fait. Donc. Des petits ratcou avec des petits chats pour les petites filles. Bon, c'est tous des petits trucs assez simples. Hein. Ah, celui-là, il n'a rien. Donc, il faut que je mette quelque chose. Celui-là, il avait. Là, je ne sais pas si c'est une gorgus, mais c'est une petite fille, une image ancienne. Voilà, encore un petit chat. Alors celle-là, je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre. J'espère. C'est pour ça avec les bagues. J'espère que je pourrais les mettre. C'est les reines de neige. Les reines des neiges. Donc j'en ai deux. Puis j'ai celui-là. Voilà. On verra. Là c'était un collier que j'avais fait aussi. Oui. Là c'est pas du tout le même style. Voilà. Donc pour ça là je vais faire le tri. Et il me reste encore un grand sautoir là. Voilà. Oui. Donc là, il ne me reste pas grand chose en bijoux. Et il va falloir que j'en fasse quelques-uns. Voilà. Que je ne veux pas mettre que des boîtes, ni. Comme j'ai des bijoux, je vais les mettre. Voilà, avec les porte-clés. Et j'ai des petits bijoux de. Le portable mais non mini, mais ça je les offrirai. Voyez. Voilà, ça ce sera pour offrir aux personnes qui achèteront. Donc voilà. En plus il n'y a pas les cartes, bien sûr que vous avez vu, donc les boîtes. Et là je suis en train de faire un ange. Voilà, voilà, voilà. Et je voulais remercier tout le monde pour tous vos messages que vous m'avez mis sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. J'ai pas encore répondu à tout le monde. Hein. Moi, je n'ai pas répondu d'ailleurs à personne.
Oui, je vais répondre, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je voulais tout vous remercier pour vos messages. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, je sais pas, je vous ferai peut-être une vidéo tout à l'heure. Je verrai. Et là, ben, je vais. Il est 11 h. Donc après, je vais bientôt aller préparer le repas. Enfin, le repas du soir. Parce que aujourd'hui, je fais un hachis parmentier maison. Voilà, alors je vous fais gros bisous et je vous dis peut-être à tout à l'heure, sinon à demain pour de nouvelles aventures. Gros bisous, à bientôt.